Bonjour à tous et à toutes. Hello, hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de 2022. C'est le tirage de l'année 2022, bien sûr, janvier. Pour voir ce qui se passe au niveau du tirage général, le tirage de l'amour sont déjà sortis. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les playlists. On va voir quel sera le signe qui va être aujourd'hui. Il en reste deux, on va les terminer. On va prendre le Capricorne. Ok. Donc pour les Capricornes, si vous voulez voir le tirage amour, parce que je ne fais pas de tirage amour ici, c'est dans la playlist amour 1er au 15 janvier 2022. C'est pour ça, vous pouvez vous abonner sans autre sur les guidances de Shiva. C'est gratuit pour vous, ça vous permet d'avoir toutes les vidéos. Donc de l'amour pour le mois de janvier, l'année 2022, le mois, la semaine de début janvier aussi. Et vous cliquez la petite cloche en haut à droite pour recevoir toutes ces vidéos et ces notifications. Si vous désirez une guidance personnelle, je vous réponds sous 3 jours. Vous l'avez, votre guidance, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Et on va voir ce qui va se passer pour les Capricornes. Donc Capricorne, ascendant, Capricorne, lune, Capricorne. On nous dit, vous percevez le succès. Et il y a une datation, donc il peut être depuis maintenant, depuis la nouvelle lune, 10 semaines ou 10 mois. Quelque chose qui peut arriver dans ces dates. Ou 10 semaines, ça fait 2 mois et demi, 10 mois. Voir si ça peut résonner pour quelqu'un d'entre vous. Et on va prendre ici, donc pour les énergies principales, le tarot. Psychique pour voir qu'est-ce qu'on a comme message. Ensuite, je vais voir avec le petit Lenormand recouvert, un tirage au tarot, de la triade et l'oracle des miroirs. Et puis reste à la fin parce qu'on aura le conseil des messages angéliques qui nous conseillera bien ce qu'il faudra faire. Alors, quelle énergie pour les Capricornes? Capricorne du 1er au 15 janvier 2022. Capricorne 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes 1er au 15 janvier 2022? Ok, on va prendre la coupe. Alors, il y a des choses qui s'accélèrent. Enfin, des choses qui se mettent en avant. Et vous allez avoir quelques... Oui, des émotions un petit peu. Vous serez peut-être à fleur de peau. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous mettre... Qui va vous... Vous allez être ému. On voit qu'il y a comme une situation qui se termine, un cycle. Hein, l'escargot là qui se termine. Il y a une émotion, des émotions présentes pour les Capricornes. Et on voit que c'est pour passer à un nouveau chapitre. Quelque chose qui pourrait vous permettre de passer à un nouveau chapitre, de vous organiser. On nous dit de patienter un petit peu derrière le dos de deck. Mais l'autre partie nous parle que les choses s'accélèrent enfin. Ça bouge, il y a votre bonne étoile, suivez cette bonne étoile qui est là avec vous. Hein. C'est annonceur aussi de bonnes nouvelles. Et puis derrière le deck, on voit qu'il y a comme quelque chose qui se prépare de nouveau. Il y a une gestation d'un projet, de quelque chose, d'une idée pour les Capricornes. Donc, de l'accélération. Peut-être il y a eu beaucoup de patience, de l'attente, des choses qui se débloquaient. Qui se débloquaient pas, Sandra. Il faut que tu parles un petit peu bien. Et là, on voit, ça va aller beaucoup plus vite. Tout à coup, les choses prennent de l'ampleur, de la rapidité. Et vous pouvez être dans l'espérance de recevoir des nouvelles, de recevoir des informations pour pouvoir avancer sur votre attente. On va regarder avec le petit Lenormand ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le petit Lenormand, donc je vais demander du 1er au 15 janvier 2022 pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme énergie et message 1er au 15 janvier 2022, 1er au 15 janvier 2022 pour les Capricornes. Pour vous, il y a à nouveau les émotions, l'intuition. Je pense qu'il y aura pas mal de choses un petit peu émotives. Vous allez être ému, surpris. Alors, je prends 4 cartes et recouvert de 4 cartes d'un petit Lenormand.
vous, les Capricornes. Ouais, il y a la fin d'une situation concernant l'argent qui a duré depuis longtemps avec des personnes fausses autour de vous. Très clair, net et précis. Bon, je suis contente parce que la situation se termine. Ça, c'est bien. Il y a la fin. Face à des personnes qui ont été fausses, menteuses, qui ont porté un masque, qui vous ont... Ça a été beau dans beaucoup de tirages. Les Capricornes face à une adversité malsaine. Concernant les finances, là, vraiment, on dit que c'est une situation qui a duré longtemps. Donc, je pense qu'il y aura un déblocage parce que ça se termine. Soit les personnes vont vous laisser tranquille, vont arrêter de vous embêter par rapport à l'argent. Soit on va voir et on va découvrir ce qu'il y a eu comme manipulation par rapport à vos finances. Soit vous allez recevoir en retour l'argent que peut-être vous avez perdu. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Je vais couvrir. Donc, il y a vraiment la fin. Ouais, super. Donc, d'ici le 15 janvier, normalement, vous devrez avoir des nouvelles. On va voir s'il y a des nouvelles qui vont sortir. Ici, le dos de deck, on a dit l'émotion. Ouais. On puise au fond de soi-même. Beaucoup de réflexion. On se cherche. Alors, on va regarder avec celui-ci. Capricorne, du 1er au 15 janvier 2021. Capricorne, 1er au 15 janvier 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? C'est début d'année, 1er au 15 janvier 2022. Hein, si j'ai dit 2021, pardonnez-moi. Pour les Capricornes. Alors, on coupe. Alors, sur la fin, sur l'argent. Sur l'encre. Situation qui est depuis, ouais, qui dure, hein, qui est accrochée, mais qu'il vous faut maintenant défaire. La fin d'une situation professionnelle. Donc, la fin d'un problème au niveau de votre vie professionnelle, de votre activité, de votre job. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a un problème qui se termine. Ce qui vous a pris la tête pendant longtemps, là, on nous parle vraiment du professionnel, va se terminer enfin. La fin dans le domaine professionnel de quelque chose. Pour certains, ça peut être la fin d'un travail. Hein. C'est possible que vous allez changer aussi au niveau d'un travail, une activité, un emploi fixe ou un emploi indépendant. Je pense que c'est plus des soucis de famille. Il y a la mauvaise femme ici sur l'argent. Donc, il y a quelqu'un qui vous en veut par rapport à vos finances, qui a cherché à vous bloquer ou à vous faire du mal, mais ça ne marche plus parce qu'on voit vraiment, pour moi ici, c'est la fin des problèmes par rapport à votre argent où il y a une personne qui est une femme malsaine ici qui vous pose problème. Voilà. Ça va se terminer, enfin. Vraiment cette notion d'émotion ou d'écoute de votre intuition, émotion je pense. Ça va être très émotionnel de voir qu'enfin les choses se terminent. Les choses tournent en votre faveur. Les problèmes d'argent vont se terminer. Il y a une femme qui vous en voulait par rapport à l'argent. Qui porte le masque, qui est une personne fausse, hypocrite. Et vraiment vous coupez avec elle. Il y a une coupure totale, il y a la faux, il y a la mort, il y a la fin. Et c'est une magnifique nouvelle, magnifique. Donc, l'argent lié, bien sûr, au travail, la problématique est finie, chers amis Capricorne. Super! Quelle bonne nouvelle! On va voir le tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire ici. Alors, les Capricornes, du 1er au 15 janvier 2022, 1er au 15 janvier 2022. Capricorne, 1er au 15 janvier 2022, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a pour les Capricornes? 1er au 15 janvier, on a le pape. Une personne d'autorité ici qui va certainement donner des nouvelles, trancher, régler. Personne d'expérience qui va mettre fin à ses soucis. Oui. Les Capricornes, 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? On va baisser un petit peu tout ça.
Alors, il y a la justice. Donc, c'est bien ce que je disais. Il y a des réponses qui vont arriver. Ça fait 8 mois que j'attends. Et d'autres Capricornes aussi. Donc, l'attente en justice, elle est en pour. Elle est en votre faveur. Vous allez recevoir des nouvelles. Je pense que jusqu'au 15 janvier, là, vous allez recevoir des nouvelles de justice par rapport à ce problème financier ou ce problème professionnel. En tout cas, c'est ce qui me ressort dans le tirage. Donc, justement, c'est pour ça que ça s'accélère. Il y a des choses qui arrivent, qui vont se débloquer, ou on vous dit qu'il vous faut couper avec une situation, trancher avec une situation qui ne va plus. Garder le bon et supprimer le mauvais. On voit que vous avez déjà recommencé, vous avez déjà repris il y a quelque temps dans un passé proche. Vous avez repris comment on peut dire? Vous êtes en préparation de quelque chose, d'un redémarrage, une renaissance. Hein, on voit que vous vous préparez à renaître de vos cendres, si on peut dire ça. Le magicien se prépare à une renaissance. Alors, ça peut être n'importe quel domaine, pro, bien sûr, argent, renouveau, etc. Ce qui domine la lune, elle sort beaucoup. Alors, c'est soit qu'il y a eu des choses cachées, qu'on vous a menti, qu'on ne vous a pas montré, hein, ça peut être ça. Ou encore une fois, il y a une notion d'émotion. Mais moi, je sens ici, là, cette carte beaucoup me parle de choses qui ne sont pas mises en lumière, qui sont cachées. Donc, ce sera certainement quelque chose qui va être mis en lumière, justement, pour que vous puissiez avancer, passer un nouveau cap, hein, ici. Hein, passer ce nouveau cap, la justice va vous aider et vous pourrez enfin avancer. Vous pourrez partir, vous pourrez avancer, vous pourrez continuer votre route et non, a priori sans ces problèmes qui vous prenaient la tête. Donc il y a de l'avancement, le chariot c'est positif, peut-être une nouvelle voie aussi qui s'offre à vous, il y a quelque chose comme ça. Et puis aussi, ça peut aussi ça peut nous dire qu'il y a de l'avancement par rapport à des choses qui ont été cachées volontairement ou on vous a menti, trompé, trahi. Hein. Ça veut dire que ça c'est clair tout ça. On va voir la triade pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'elle va nous dire pour vous? Alors, Capricorne, Capricorne, Capricorne du 1er au 15 janvier 2022. Capricorne, 1er au 15 janvier 2022. Donc là, c'est au niveau plus spirituel, plus au niveau émotionnel. On voit que vous avez fait des sacrifices. On voit qu'il y a des sacrifices qui ont été faits de votre part. Vous êtes sacrifié pour quelque chose. Vous avez mis des choses de côté pour garder d'autres. Vous avez perdu peut-être certaines choses, vous avez souffert, vous avez porté votre épine parce je pense qu'on a cherché à vous faire du mal. Beaucoup de Capricornes hein, me l'ont dit aussi. Et moi, je verrais ici une fin des illusions. Comme une fin des illusions par rapport à une situation où vous alliez voir clair. Donc, l'histoire de la Lune, c'est bien ce qu'elle nous disait. Les choses n'étaient pas claires, ne sont pas claires, qu'on vous cache des choses, que vous voyez les choses différemment qu'elles ne le sont, et il vous faudra voir la réalité. Je pense que vous allez la recevoir, la vérité. Deux, trois. On va prendre 9 cartes. Les Capricornes. Janvier 2022. Bon, on va voir qu'est-ce que ça nous raconte ici pour vous. La paix. Oh, on retrouve la paix. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Depuis tant de mois d'attente, d'adversité, de méchanceté face à vous.
vous allez retrouver une paix symbolique, une paix parfaite, qui vous est nécessaire, qui vous est due. Par rapport à des silences, c'est ce que je vous dis quand on vous a caché des choses. Par rapport à des silences, des choses qu'on ne dit pas, mais je pense que ces non-dits vont être révélés pour moi. Ces non-dits vont être révélés par rapport à des choses malsaines qu'on vous a fait, des mensonges. Je vous ai dit, on vous a fait du mal par rapport à votre... dans le domaine professionnel, on a voulu vous avoir, vous... on a usé de choses négatives contre vous. Vous quittez cette situation en janvier et vous retrouvez les vraies valeurs de votre âme. Vous êtes en paix avec votre âme, vous êtes en paix avec vous-même. Mais moi, je pense qu'ici, il y a une situation de silence, de choses cachées qui vont être révélées et vous allez enfin pouvoir avancer. On a vu, on avance cette fois, on reste plus dedans, ça se tourne plus en rond comme depuis des mois. Mais il y a bien des choses qui ont été fausses, cachées. Il y a bien pas mal d'émotions. Ça va vous surprendre, ça va vous faire plaisir. Vous allez recevoir, je vous ai dit... il y a eu des mensonges sur votre vie, sur votre travail, sur votre argent. Ce silence, on a caché des choses. Je pense qu'ils vont être révélés. Vous allez écouter votre intuition, ressentir certaines choses. Et oui, on va mettre la lumière sur cette problématique. Il y a le soleil après cette traversée du désert, j'allais dire. Les Capricornes. Mais c'est beau. La première carte, on dit on retrouve la paix de son âme. On est en accord avec soi parce que ce n'est pas vous qui avez fait des... problèmes. On vous a fait des problèmes. Il y a eu de l'adversité, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses cachées. On fait la lumière sur cette situation. Vous allez comprendre, vous allez avoir des informations, vous allez savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Je pense qu'il y aura un jugement avec la justice. Il y aura quelque chose qui va être investigué, vous allez avoir des nouvelles. Et puis on nous dit qu'on quitte ce chemin d'épines vraiment compliqué. Donc, vous étiez perdu, vous ne saviez pas quoi faire, vous ne compreniez pas ce qui se passait. C'était difficile, il y avait pas mal d'obstacles, mais on voit que là, vous arrivez au bout. La lumière arrive, une rose, une récompense même. Et surtout, la grande carte du soleil, la lumière, pour moi, c'est éclairer ces situations. Et en même temps, c'est la réussite. Il y a une réussite ici sur les mensonges, sur les épreuves. Vous allez briller, vous allez être reconnu, vainqueur, vous allez enfin comprendre ce qui s'est passé dans votre dos. Et c'est l'accomplissement de vos rêves depuis un moment, l'accomplissement de vos envies, de ce que vous désiriez voir se régler. C'est super, bravo. Parce que vous avez été tenace, je pense, et persévérant jusqu'à maintenant. Donc j'espère que d'ici le 15 janvier, ce sera... les nouvelles que vous attendiez. En tout cas, il y a des choses qui vont se révéler à vous par quelque biais que ce soit. On va regarder encore avec l'oracle des comment on appelle, des miroirs pour voir plus dans la matière. Capricorne, 1er au 15 janvier 2022. Capricorne, 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022 pour les Capricornes. 1er au 15 janvier 2022. Vous avez la chance avec vous. Hein. Ouais. Capricorne, 1er au 15 janvier 2022. Prends la... Non, tu vas te coucher, toi. Vous avez une grande, grande solidarité. Et oui, vous gagnez. Vous gagnez un procès, vous gagnez des difficultés. Contre des difficultés, grâce aussi à un soutien de beaucoup de monde autour de vous. Il y a eu des gens qui vous ont cru, qui vous ont soutenu, qui vous ont écouté, qui ont été très solidaires avec vous. Et on voit que vous gagnez, vous réussissez, vous passez cet examen haut la main, cette épreuve haut la main que vous avez subie depuis un long moment, qui vous a mis pas forcément bien, et une réussite. Alors, les Capricornes, si vous vivez cette situation, n'hésitez pas à me commenter. Bien sûr, en message, en commentaire.
Alors, Capricorne, 15, 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier. Ouais, on vous a accusé, on vous a malmené, on vous a diffamé, on a eu des choses contre vous, on a dit des choses qui vous a affecté psychologiquement, mentalement, physiquement. Et vous avez la chance dessus, donc ça veut dire le coup de chance, et la roue tourne. Et il y a une ouverture, donc c'est un déblocage de cette problématique qui se fait, hein, ce début janvier. Il y a un déblocage grâce aux anges, votre bonne étoile arrive. On vous soulage de ce problème qui dure trop, trop, trop longtemps. C'est comment dire, une épreuve de destinée carrément. C'est sur votre chemin de destinée ici, les Capricornes. Vous traversez, vous allez vers le soleil. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Ça veut dire une nouvelle voie, une nouvelle vie différente, sans ce problème qui vous traîne et qui vous tire en bas. Et on va vers le soleil, donc on met aussi les choses en lumière. Si le chat veut bien s'enlever, saute, allez, hop. Oui, comme tout à l'heure, le soleil est là derrière, vous voyez? Donc les choses vont être mises en lumière, les choses vont être positives pour vous, tout va s'éclairer quelque part. Grâce à votre force, votre courage, votre persévérance, votre envie d'en débattre, d'en découdre et de réussir. Je suis très heureuse pour les Capricornes. Alors, on va demander un conseil. Quel est le conseil pour les Capricornes du 1er au 15 janvier 2022? 1er au 15 janvier 2022. 15 janvier 2022. 15 janvier 2022. Non, non, non. Viens, mon chacha. On sait pour les Capricornes du 1er au 15. On a aussi le pardon. Donc pardonnez à ceux qui vous ont offensé et pardonnez-vous à vous-même. C'est la meilleure chose. Les choses se rétablissent de manière juste pour vous, les Capricornes. Vous n'avez rien à vous reprocher. Si quelqu'un, s'il y a eu, on l'a vu, l'adversité, on vous a caché, menti sur certaines choses, pardonnez à cette personne parce que ça ne sert à rien d'avoir de la colère contre quelqu'un, ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Et pardonnez-vous à vous, peut-être d'avoir pas agi comme il fallait, ou si vous sentez que vous avez besoin de vous faire pardonner ou de vous pardonner quelque chose, faites-le pour être libre et pouvoir avancer sur une nouvelle destinée qui vous attend ici très clairement, chers amis Capricorne. Je trouve ça un très beau tirage. Je trouve que c'est une solution enfin qui arrive pour nous tous qui attendions sur ça. Et puis, merci de commenter, ça me sera très utile. Je vous remercie. Je vous souhaite encore une très belle année 2022, qu'elle soit plus rayonnante, riche, remplie d'amour. Voilà, je vous le souhaite, les Capricornes. Au revoir.